détresse de ce monde, Seigneur, la détresse du peuple, papa. Mais nous croyons, Seigneur, mon roi, que tu vas agir, Seigneur, mon roi, dans cette génération. Père, tu vas lever un peuple, Seigneur, toucher des âmes, Seigneur, mon roi. Oh, mon roi, que tu vas sauver, papa, que tu vas guérir, que tu vas remplir de toi, Seigneur. Père, nous prions, Seigneur, mon roi, que tu puisses, Père, ôter ce voile, Seigneur, ce voile qui rend aveugle, papa, l'humanité, Seigneur, au nom de Yeshua. Que ce voile, papa, ce voile soit ôté, papa, afin que ces hommes et ces femmes puissent te découvrir, Seigneur, découvrir ta grandeur, découvrir ta puissance, papa, ton autorité, papa, ta lumière, papa, au nom de Yeshua. Oh Seigneur, mon roi, ta victoire sur les démons, ta victoire sur le péché, papa, ta victoire sur la maladie, papa, au nom de Yeshua, papa. Oh Seigneur, nous prions, papa, que ton feu, oh mon roi, puisse nous brûler dans nos cœurs. Oh ton feu, ton sel, papa, puisse brûler dans nos cœurs, Seigneur, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua de Nazareth, papa. Seigneur, en ce jour, Seigneur, nous prions, Père de gloire, afin que, Père de gloire, nos frères et sœurs, papa, on parle de fortifier, qu'on remporte de fortifier, qu'on remporte encouragé, rempli, au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Que ton autorité, papa, nous accompagne. Que ton royaume nous accompagne. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Alléluia, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il fait pour la première fois? Pour la première fois, ok. Il va au paradis. Il se dit, est-ce que j'y arriverai? Il se pose la question. Est-ce que j'y arriverai? Il y a tellement de tentations. Il y a tellement de choses qui environnent. Est-ce que j'y arriverai? Mes amis, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. On doit croire. Alléluia. On va prendre un passage Tout à l'heure, je vais te parler dans Luc 9. On va aller dessus tout à l'heure. Ça va beaucoup encourager. Alléluia, alléluia. Oui, le Seigneur fidèle, il est glorieux. Oh, oh Père, je t'aime, papa. Tu m'as rencontré, Seigneur. Yeshua. Père, je veux t'aimer, papa. Nous voulons t'aimer. On veut t'adorer, Seigneur. Père, prends le contrôle de nos vies, Seigneur. Prends le contrôle, papa, de nos cœurs, papa, au nom de Yeshua. Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth, papa, nous prions, papa. Père, donne-nous cette mentalité de guerrier, papa, de persévérant, papa. Seigneur, au nom de Yeshua. Père de gloire, ton feu, papa, ton esprit. Père, couvre ce lieu, papa. Ton esprit, papa, couvre ce lieu, papa. Ton esprit, papa, fait fuir les ténèbres. Fuir les ténèbres, fuir le mal. Etamashika. Dans ta présence, tu guéris. Dans ta présence, il y a la guérison dans sa présence, mes amis. Dans sa présence, il y a son amour. Dans sa présence, il y a la restauration. Alléluia. De qui as-tu peur? Pourquoi tu promènes des regards inquiets? Tu es dans sa présence. Va dans sa présence. Entre dans ta chambre, va dans sa présence. Parce que dans sa présence, il va te parler. Il va te parler. Père, merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais, papa. Merci pour l'œuvre que tu accomplis en ce jour, Seigneur. Des vies sont délivrées, des vies sont détachées, des vies te rencontrent, Seigneur, au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Oh Jésus. Glorie de ton nom. Yeshua, c'est Jésus. Yeshua, c'est Jésus. Oh Seigneur. Mais c'est magnifique. Viens encourager là, mes amis. Là. Il y a des choses hein, qu'on se réunit au nom de Yeshua. C'est écrit. Hein. Il est au milieu de nous. Là où il y a deux ou trois réunis en son nom, il est au milieu. L'enfant. Ah oui. Et nous sommes dans ce temps, comme le temps je partageais, nous sommes dans le temps du 2 ou 3.
le temps du 2 au 3. Le temps d'être avec le Seigneur, de se réunir pour être avec le Seigneur, mes amis. Il ne faut pas courir après les églises, après les réunions. Il faut courir après le Seigneur, mes amis. Après le Seigneur. Parce que beaucoup cherchent la foule. Mais le Seigneur est là où il y a deux ou trois réunis en son nom. Quand je parle de deux ou trois, c'est l'unité véritable. La communion véritable. Là où il y a des cœurs qui le louent, des cœurs qui l'adorent, mes amis. Waouh! Je vous dis, c'est un temps où le Seigneur va de plus en plus nous visiter. Je ne sais pas ce que tu vis dans les coulisses. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Mais je veux te dire que le Seigneur veut te visiter personnellement. Waouh! Ah oui, parce que tu dois tenir ferme, parce que le péché augmente, le mal augmente. Tu dois tenir, ma soeur, il faut que tu tiennes, il faut que je tienne. Et pour tenir, il faut avoir la communion véritable. Ne pas courir après les prédicateurs, parce que mes amis, tout le monde n'est pas du Seigneur. Comme tout à l'heure, la soeur me disait, écoutez, un pasteur de enseignement fantôme là. C'est ça? Elle s'endormait quand elle écoute les prédications. Il y a un problème. Comment tu peux écouter un message et tu t'endors? C'est qu'il y a quoi à votre avis? Là, la mort, mes amis. C'est terrible, hein? Ah oui? Tu commences à dormir. C'est pas normal. C'est qu'il n'y a pas ce message-là qui secoue les cœurs. Ce message qui sauve les amis. Alléluia. On va prendre Jean 6, 59. Jean 6, 59. Ce qui nous sauve, c'est qui? C'est la parole. Et la parole, c'est qui? C'est Jésus. C'est le Seigneur. Et sa parole nous conduit dans la vérité. On a besoin de sa parole pour connaître la vérité, mes amis. Tu veux te sauver? On veut te sauver? On doit avoir la parole. Comme vous êtes annoncé par mon frère Stéphane au début. On doit être enseigné. Sans l'enseignement, tu vas tomber. Sans l'enseignement, nous allons tomber. On doit se laisser enseigner par le Seigneur. Voyez, le Seigneur veut t'enseigner. Et sa parole dit aussi qu'il établit des hommes aussi pour le perfectionnement des saints. Ah oui, il ne faut pas oublier ces choses. Parce que beaucoup de chrétiens font naufrage, je vous dis. Beaucoup font naufrage. C'est quand on est seul qu'on sait véritablement si on est enfant du Seigneur, si on est chrétien. C'est quand on est seul, frère et soeur. C'est quand tu es seul. C'est pas en public, hein, devant tout le monde. C'est quand tu es seul. C'est quand nous sommes seuls que nous savons vraiment qui nous sommes. On sait tous ici qui nous sommes. Chacun sait qui il est. Avec le Seigneur et les démons. Ah oui, hein. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Je vous dis la vérité. Tout le monde te voit. Le Seigneur te voit. Les démons te voient et toi tu te vois aussi. Ah, c'est terrible. Ah oui. Et nous sommes dans un temps, une génération où la parole véritable est rejetée, frères et sœurs. Où le message que le Seigneur Yeshua nous a laissé est rejeté par beaucoup d'hommes, beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils regardent à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils aiment encore les choses de la terre. Ils aiment encore la chair, les ténèbres, le monde. Voyez? Voilà pourquoi beaucoup périssent. La parole dit que, dans Osée 4 là-bas, mon peuple périt par manque de connaissance. Quelle connaissance? La connaissance du Seigneur, frère. Quand tu rencontres le Seigneur Jésus, mes amis, Waouh. C'est la révolution. Ah oui, tu deviens comme le vent, comme le dit Jean 3 là-bas.
tu donnais comme le vent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas te saisir. Tu comprends? Si tu cherches à être saisi, à être compris, tu vas mourir. Tu vas mourir. Voyez? Ne laisse pas le monde te saisir. Si on te saisit, tu vas tomber dans la religion. Tu vas tomber dans le système. Tu vas tomber dans le péché, mon ami. Un chrétien est comme le vent. Celui qui rencontre Yeshua, il est comme le vent. Est-ce que tu comprends le vent? On comprend le vent. Il va à gauche, il va à droite, il va devant. Qui peut saisir le vent, mes amis? Ainsi est tout homme, toute femme qui naît d'en haut. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Tu comprends quelque chose? Tu comprends? Ça va aller. Vous voyez? Le Seigneur nous demande de quitter la religion, de quitter le système religieux, de quitter le catholicisme. Il faut le quitter. Même si on t'a mis petit, depuis tout petit dedans, quitte ça, mon ami. Oh, je mourrai catholique. Je suis né catholique, je mourrai catholique. Mon ami, tu iras en enfer comme ça. Pourquoi? Ce sont des doctrines étrangères à la parole, étrangères au message que Jésus nous a laissé, mes amis. Le diable a roulé beaucoup de la farine avec la religion. Alors que le Seigneur veut rencontrer ton cœur, ce cœur-là. Il veut parler à ton cœur. Oh oui. Jean 6, 59. Jean 6, 59. Voilà. Il dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaüm. Beaucoup de ses disciples ayant donc entendu cela dire, cette parole est dure. Voyez, cette parole est dure. Et comme cette parole est dure, qu'est-ce que les hommes diront de toi? Toi qui vas la prêcher cette parole, tu n'es pas normal. Donc, c'est terrible, hein? Je vous dis la vérité. Ah oui, c'est ça, chrétien. C'est dire la vérité en face. Je ne vais pas chercher les rats, tu sais, pas de tic. Non. Et c'est ça qui fait que beaucoup sont rejetés, que nous sommes rejetés, parce que nous sommes dans la lumière. Et la lumière, ça ne plaît pas. La lumière, ça ne plaît pas. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas Yeshua. Parce que sa lumière ne plaît pas, parce que ça révèle ce qui se passe dans les ténèbres. Je vous dis, qui est choqué de ce que c'est? C'est chaud. Mais grâce au sacrifice du Seigneur sur la croix, il a crucifié la chair, mes amis. Grâce au sacrifice de Yeshua, tout est possible. Celui qui croit sera sauvé. Alléluia. Tu es colérique, regarde à la croix. Tu es raciste, regarde à la croix. Ne dis pas non, c'est trop dur. Mon ami, tu risques de rater le ciel. Je vous dis, tu es lumière partout où tu passes. Donc ta vie devient, par rapport au péché, ta vie va condamner leurs œuvres. Mes amis, est-ce que tu comprends quelque chose? Ta vie va condamner leurs œuvres ténébreuses. Vous savez ça? Ah oui, hein? Tu deviens une menace pour leurs choses machiavéliques. Pourquoi? Ça va révéler ce qui est caché. Un jour dans mon travail, un collègue, des amis, c'est chaud, hein? La lumière qui est en nous là, nous portons la gloire de Yeshua faire en nous de Jésus, dans nos cœurs. Aïe, 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 aïe. Faut pas faire n'importe quoi, mon ami. Quelqu'un habite en toi. Le Saint-Esprit habite dans ton cœur. Tu n'es pas seul, hein? Quelqu'un est en toi là. Le Saint-Esprit.
Et quand le Saint-Esprit quelque part est dans ton cœur, dans la vie de quelqu'un, il se produit des choses. Dans ton entourage, parmi tes fréquentations, il se passe des choses que tu ignores même toi. Un jour, mon collègue est parti voler dans la réserve. Je descends aussi par hasard. Je le vois avec plein de paquets de je sais pas quoi dans les mains. Je dépose. J'ai dit, mon ami, fais ta vie. Le gars tremble devant moi. Je fais quoi? Je dépose. J'ai fait, mon ami, fais ce que tu veux. Si on me pose la question, par contre, je vais dire, c'est toi. J'ai annoncé la couleur, hein. Volez tout ce que vous voulez. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller au bureau. Non. Mais si on me pose la question, est-ce que j'ai vu? Vous êtes cuit ici, je vous dis la vérité. Ils savent. Ah ben oui, mes amis. Donc il peut faire qu'il fasse leurs affaires. Mais si mes yeux voient et qu'on me pose la question demain, Hervé, est-ce que tu sais? Ils savent déjà. Si tu comprends quelque chose, c'est ça, chrétien. C'est pas magouillé. Je vais cacher ma lumière. Tu pourras pas cacher la lumière. Je vous dis, ça, en fait, la lumière ne peut pas être cachée. C'est écrit dans la parole. On ne peut pas cacher cette lumière. La lumière du Seigneur dans nos cœurs. C'est impossible. Ça brille. Il y a un collègue qui m'a dit ça l'autre fois. Là. Je vous dis, j'étais choqué. Il m'a dit, toi là, tu fais un truc de bizarre, tout ça. T'es visible. Je sais pas, t'es le seul qui est visible. Je sais pas pourquoi. Nous, on fait un truc, ça passe toi là. J'ai dit, mais c'est quoi la vie en fait? Ça m'encourage. On est la lumière du monde. Alléluia. Alléluia. Je lui ai dit, dans la mer, dans l'océan là, s'il fait noir, qu'est-ce qui est visible? Hein? Qu'est-ce qu'on voit dans la mer? Quand les bateaux naviguent là, qu'est-ce qu'on voit le plus? Les phares. Nous sommes des phares, mes amis. Alléluia. C'est-à-dire que les gens ne pourront pas parler de n'importe quoi devant toi. Ils ne pourront pas venir parler de choses bizarres. En fait, ta présence va leur dire, ah, excuse-moi. Pourquoi? Parce que tu vis cette consécration. Tu vis l'évangile. Ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas grand-chose. C'est obéir à sa parole. Et c'est là où l'humain que nous sommes, ben, on pêche à ce niveau. On a du mal à obéir au Seigneur. On pense qu'il comprend. Le Seigneur, il va comprendre. Il comprend. Vous savez à qui on a affaire, mes frères et sœurs? Vous savez à qui on a affaire? Avant d'aller faire un péché, il faut réfléchir. Tu dois poser le pour et le contre. Adam et Ève ont péché. Regardez dans quel état le monde est aujourd'hui. Ils ont péché une fois. Une fois! Regardez les cancers, les signes. C'est à cause de ce péché, mes amis. Hein. Je ne sais pas si on réalise la chose. Il ne faut pas qu'on vive comme le monde, qu'on vive comme si ben, on va attendre la terrasse, on attend le vaccin pour prendre la terrasse, tout ça. La terrasse. Voilà l'espérance des hommes. Et nous, les enfants du Seigneur Jésus, on ne doit pas attendre la terrasse. Attendre que la vie revienne normale. La vie sera jamais normale. Je vous dis, c'est pour ça si on ne fait pas attention là, je vous dis, on peut rater le ciel. Nous sommes dans un temps où le diable, je vous dis la vérité, je sens ces choses. Il y a une pression, frère, pour que tu tombes dans le péché, surtout la convoitise. Je vous dis, il y a un péché qui combat les enfants du Seigneur, c'est la convoitise. Bon, il faut lever la main. Ben oui, je vous dis, hein. Je te dis la vérité, frère. C'est chaud. Adam et Ève, avant qu'ils ne pêchent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont convoité. Wow. On ne sait pas combien de temps ça a mis. On ne sait pas combien de temps le diable a mis pour les faire tomber. C'est pas écrit. Mais en tout cas, ils ont obéi. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Tant que le diable, les démons, les satanistes, l'ennemi de nos âmes, tous les jours nous agressent pour qu'on puisse tomber. Je vous dis, et quand tu tombes là, tu perds cette robe. Tu perds l'habit royal, cette robe blanche. Il va être sali, souillé par le péché. Et quand tu es souillé, sali par le péché,
Beaucoup de chrétiens vont faire quoi? Ils vont quoi? Ils vont se cacher sur un arbre. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Le péché. Quand Adam et Ève, qu'ils ont péché, ils ont fait quoi? Caché. Et le Seigneur a dit, sa voix a parcouru le jardin. Pourquoi? À cause du péché, ils se sont cachés. Et comme tu étais à la Joanne, c'est terrible. Il te dit, reste dedans. C'est pas grave. C'est qu'un petit péché. C'est pas méchant. Comme un frère, il y a quelques semaines, nous appelle et confesse quoi? En gros, qu'il se passe sur moi, quoi. Film pornographique, masturbation. Et il prêchait la parole. Il prêchait, il demandait pardon au Seigneur. Mes amis, il prêchait genre aujourd'hui. Il demande pardon, il dit qu'un vent l'a restauré. Le Seigneur dit continue. Mon ami, c'est pas le Seigneur ça. C'est pas Jésus ça. Non. Est-ce que vous pensez que c'est Jésus ça? Il dit, il n'arrive pas à s'empêcher pour qu'il fasse le. Mon ami, c'est pas Jésus. Il me dit, mais il y a quand même des miracles. J'ai fait non. Matthieu 7. Beaucoup diront, Seigneur, j'ai fait des miracles. Seigneur, j'ai prophétisé. Seigneur dira. Harry, en fait, dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, mes amis. Et c'est là que, dans ce piège, que ce frère était tombé. Là, on vérifie ce cas-là, c'est grave. Vous voyez un peu les choses? Il n'y a pas la crainte, il n'y a plus la crainte. Les gens jouent avec la parole, les gens jouent avec le péché, mes amis. Vous voyez? On ne peut pas transformer la parole. On ne peut pas diluer la Bible. Changer le message pour faire du bien aux gens. En fait, quand même, il faut comprendre la chose. Tout disciple accompli sera comme qui? C'est qui notre bête? Yeshua. Vous voyez? Alors, on va le voir tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Frère et sœur, tu es une lumière. Ne cache pas cette lumière qui est en toi. N'aie pas honte de cette lumière qui est en toi. Que ça plaise ou pas, que ta lumière brille parmi les païens, parmi les pécheurs. Le Seigneur était parmi les pécheurs. Il mangeait à la table des publicains, à la table des gens qui avaient des mauvaises vies. Grand faux. On est encore dans le monde. Donc quand nous sommes encore dans le monde, on doit avoir ce témoignage, ce langage qui reflète Yeshua, cette parole qui reflète la vie. Shekamama. Alléluia. C'est vous dire. Parce que dans ton cœur est renfermée la gloire du Maître, le feu de Yeshua, sa présence. Je te dis la vérité, quand tu es seul à la maison, tu n'es pas seul. Le roi est avec toi. L'armée du ciel est avec toi. Alléluia. Mes amis, le royaume des cieux. Là où il y a le royaume, les portes s'ouvrent. Qui peut te bloquer, ma soeur? Qui peut te bloquer? Je vous dis, c'est terrible, mes amis. Nous sommes un peuple agressé, nous sommes attaqués, nous sommes lapidés. Mais nous sommes un peuple victorieux. Pourquoi? Parce que nous marchons avec... Alléluia, avec qui? Mes amis, tu rentres dans le trou où parler, les gens crient. Mais tes cheveux là, personne ne va le toucher. Pourquoi? Parce que t'es gardé par le roi. Ah oui? Et souvent on oublie ça. Oh Seigneur, on va m'insulter si je parle de quoi? Seigneur, mon ami. Qui a un feu qui brûle dans quelqu'un là? C'est qui là, ce feu là qui brûle dans ton cœur? Dans tes os là, tu dis parle, mais tu es qui là? C'est qui? Lève ta main. C'est qui? Mais ce feu là, le feu que Yeshua t'a donné là, il faut que ce feu se propage. Il faut que ce feu se propage, cette onction qu'il a mis sur ta vie là se propage, mes amis. Alléluia. Je vous dis, vous allez repartir allumé. On va partir allumé, même moi tous, on va repartir allumé.
tu vas repartir en feu. Tu vas commencer à te tenir debout, à commencer à prier, à commencer à intercéder, à commencer à déclarer des paroles. Alléluia. Pour ta famille, pour ta maison, pour ton mariage que le diable veut briser, il faut que tu déclares des paroles. Alléluia. Hein? Il faut que tu aies l'autorité. Parce que tu es la fille du roi. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Ah non. On t'embête le soir quand tu dors. Autorité. Ah oui, la mort te combat quand tu dors. Autorité. Tu as reçu cette autorité. Tu as reçu ce mandat. Tu as reçu cette onction, mes amis. J'ai ta main. Alléluia. C'est bon dit. Cette parole est dure. Les hommes n'aiment pas cette parole. On veut mélanger l'évangile. On veut que cette parole caresse les gens parce qu'on a peur d'être attaqué par le monde. Bon, mais la croix, c'est la croix qui sauve. Nous sommes dans un temps là. Regardez bien. Prêche la croix. Oh non, c'est pas comme ça qu'il faut prêcher, mec. Qui a entendu ça? C'est pas comme ça. C'est bon, dis ça. J'ai dit, vas-y, allez-y. Faites prêcher. C'est bon, allez-y, montrez-moi comment vous faire. Vous voyez? Moi, je connais ce message. Hein. Moi, c'est la croix. Mais moi, c'est la croix. Grâce à la croix, j'ai arrêté les gros mots. J'arrive pas à dire les gros mots. Il faut mourir. Je vous dis, quand tu rencontres l'agneau, quand tu rencontres Jésus, je te dis, tu t'abaisses. Il est terrible, tu t'abaisses. Et il prend le contrôle de ta vie. Tu n'es plus libre. Moi, je suis plus libre, j'arrive plus à être libre. C'est compliqué. De plus en plus que je marche avec le Seigneur, je vous dis, il y a des choses que c'est compliqué, mais Seigneur, mais on va me critiquer. C'est compliqué. Pour accomplir cela, je vous dis, mes amis, il y a quelque chose. Hein? Quand tu es lié par le roi, quand tu es lié par le Seigneur, je vous dis la vérité, il va t'emmener dans des lieux que tu vas pas comprendre. Il faut que tu parles. Pourquoi? Parce que tu as tombé. Nous sommes un peuple de c'est plus toi qui dirige. Il va prendre le contrôle de ton travail. Si on t'a viré, t'inquiète pas, il va tout le temps. Alléluia. Si c'est pas bon, il va fermer. Donc, faut pas que tu pleures. C'est parce qu'il a un plan meilleur pour toi. Il a un autre chemin pour toi. Un chemin de paix, mes amis. Parce que tu es sa fille, tu es son fils. Et il t'appelle à aller de gloire en gloire, de hauteur en hauteur, mon ami. Je vous dis, c'est chaud. Tu entres ses mains, tout ce qu'il veut pour toi, il va le faire. Est-ce que vous comprenez la chose? Est-ce que vous comprenez? Nous sommes ses esclaves. Un esclave, c'est quoi? En fait, tu vas où il t'emmène et où tes pieds veulent. Je vous dis, moi je le vis ça. C'est compliqué, mes amis. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut se révéler à cette génération. Et pour que le Seigneur se révèle, eh bien, la parole tient. Il veut faire de toi et moi des participants. Tu veux participer à tout le monde, tu veux. Mais il veut passer par toi. Tu comprends? Ma passion, mon frère. Il veut passer par nous. Nous sommes un peuple lié. Alléluia, c'est terrible, mes amis. Avant, on se vautrait dans le péché. Facilement. Aujourd'hui, là, on a notre chemin contre-courant. Et contre-courant veut dire quoi? Contre-courant. Eh bien, incompréhension. Tu ne seras pas comprise. Je vous dis la vérité. Tant que tu marcheras dans la vérité, dans la sainteté, ne crois pas que tu m'as aimé. Non.
Et c'est souvent ce qu'on attend. Oh, je suis le bien-aimé. Mon ami, la parole dit quoi? Les hommes appelleront le mal comment? Le bien comment? Le bien mal. C'est ces générations, on y est. Tu peux faire le bien que tu veux. Les humains vont dire tu es mauvais quand même. Bah oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont étrangers à la vie divine. Le monde ne connaît pas le Seigneur. Le monde ne connaît pas la parole du Seigneur. C'est la parole le tient. Le Seigneur, ça part autant que la terre, le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant ses pensées sont au-dessus des nôtres. Donc comment on peut le comprendre si tu n'as pas reçu ta pensée? Ça devient un mystère boule de gomme pour les humains. Voilà pourquoi pas la prédication, pas la parole prêchée. Je vous dis la vérité, l'esprit va agir. Ah oui, l'esprit va agir. Voilà pourquoi il dit qui enverrai-je, qui va envoyer? Qui va envoyer? Oh Seigneur, dans Luc 9, on a vu. Oh Seigneur, dans Luc 9, alors on a vu Luc chapitre 9. Oh Seigneur, il dit suis-moi. Oh Seigneur, laisse-moi aller enterrer. Seigneur, il faut que je passe mon diplôme. Seigneur, il faut que je passe. Oh Seigneur, Seigneur, on va m'insulter. En fait, on trouve tellement de raisons. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher quelqu'un. Il va chercher quelqu'un qui va le suivre ou quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je vous dis. Si tu regardes à toi, si on regarde à nous-mêmes, on va passer à côté. Plus j'avance avec le Seigneur, on est charnel, on est faible. Mais je veux regarder qu'à lui. Parce que ce qu'il a fait pour moi, je lui vaux ça. Je vous dis, pourquoi, comment? Par ma vie, en sacrifice de bonne odeur, lui offrir ma vie, être dans l'intégrité, rechercher l'intégrité. Quitte à être détesté, mais à être intègre. Vaut mieux marcher avec le Seigneur que marcher avec des humains. Je vous dis la vérité. Ah ben oui. Ça au début on ne comprend pas trop. On se convertit, tout ça, gna gna gna. Oh les frères et soeurs, alléluia, alléluia, alléluia. Je vous dis, quand je me suis converti, il y a 11 ans en arrière, mes amis, j'ai perdu toute ma famille, ma mère, mais j'ai tout perdu, les amis du monde, parce qu'ils ont dit, oh là là, il est devenu chelou. J'ai tout perdu. Je me suis retrouvé seul avec ma femme. Ensuite, le Seigneur m'a permis, je rencontre des frères et sœurs. Mes amis, j'ai plus de famille. Oh là, wow, wow, alléluia. Et plus tu avances, plus le Seigneur te dit, attention, sois plus avec moi, monte ton cœur plus avec moi. Mais en fait, nous, souvent, qu'est-ce qu'on fait les humains? On remplace la communion, on remplace le Seigneur par quoi? La communion. C'est une vérité. Et on a du mal à s'attacher avec le Seigneur. On est, oh Seigneur, tu sais, il y a des frères et sœurs, Seigneur, demain, Seigneur. Et le Seigneur est jaloux, hein? Je vous dis. Parce que quand tu es seul avec le roi va te parler. C'est quand tu es seul à seul avec lui, c'est là qu'il va te parler. Hein? Je vous dis, il va te parler. Je vous dis, il veut que tu reconnaisses sa voix. Et sa parole dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Il le dit. Et comment? Si je parle, le Seigneur aussi parle. Hein? Il parle aussi. Mais souvent, on a du mal à reconnaître sa voix. On a du mal. Est-ce que on dit qu'à parler ma mère? Ou est-ce que c'est le Seigneur qui parle pour moi en français? Mes amis, il parle. Et plus tu es dans la sainteté, plus tu es dans l'intimité, plus tu es dans la consécration, tu vas de plus en plus discerner sa voix. Le discernement va s'aiguiser. Ouh là là! Il va te montrer les choses, je te dis la vérité. Mais quand tu traques la foule, comment tu vas comprendre les choses? Tu es trop entouré, tout ça, tu comprends. En fait, des fois, tu te mets à part avec le Seigneur, et c'est là que tu observes mieux les choses. C'est là qu'il te parle. Et tu. Ah ouais! D'accord! Et tu observes les choses, tu comprends les choses. Est-ce que tu comprends? Voilà, Luc chapitre 9. Qui peut prendre Luc chapitre 9, s'il vous plaît. Luc chapitre 9. Lisez le passage. Je vois le passage qui dit il a mis de lieu pour sa tête. Alléluia. Qui est encouragé là? Qui encourage les amis? Vous encouragez, hein? Alléluia. La parole est terrible. Oui, dis-le. Luc 9, 57. Et en allant par le chemin, il arriva que quelqu'un lui dit, Seigneur, je te suivrai où que tu ailles. Et Yeshua lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids,
mais le Fils d'humain n'a pas où reposer sa tête. Le Fils d'humain, c'est le Jésus, on parle. Là, on parle de Jésus. Le Fils d'humain, le Fils de... Voilà. C'est Jésus qu'on parle. Vous voyez? Il avait ni de... Quoi, on dit? Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, ouais. Mais le Fils d'humain n'a pas où reposer sa tête. Voilà, il n'a pas de lieu où reposer sa tête. Donc on voit par là quelque chose de magnifique. On voit par là que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas à Rome. Il n'était pas au Vatican. Il n'a pas bâti une église. Il n'avait pas de lieu où poser sa tête, mes amis. Ça, c'est un exemple terrible, ça. Pour les chrétiens qui sont attachés à leur... Mon église, quand on a fermé l'église, qu'est-ce que je vais devenir? Le monde. Voilà comment beaucoup de chrétiens agissent aujourd'hui. Les bâtiments fermés, toute leur foi s'est écroulée, mes amis. C'est pas normal. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Yeshua n'avait pas de lieu pour poser sa tête, c'est écrit. Dieu lui-même sur terre, Elohim lui-même sur terre, nous a montré l'exemple par rapport à la marche. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se rassembler. Il faut se rassembler. Mais ton rassemblement n'est pas ton Elohim, n'est pas ton Dieu. Non. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens retournent dans le péché, le monde. Pourquoi? Parce que c'était devenu pour beaucoup une habitude. Les réunions d'église, les rassemblements. Le Seigneur à travers cela là, qui a permis Corona. Aujourd'hui, un peu tout s'ouvre là. Comment dit ce mot-là? Qu'est-ce que tu as compris? Voilà. Qu'est-ce que tu as compris de par tout ce temps-là, un an et demi, deux ans en même temps? Un an et demi fermé. Hein? Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as compris en fait? Donc forcément, le Seigneur a dû te parler, a dû nous parler. Tu as dû recevoir un enseignement dû à tout ce chaos qu'il y a pu avoir. Qu'est-ce que tu as compris, mon frère, ma soeur? En fait, il faut se poser la question. Dans son cœur, se poser la question, qu'est-ce que tu as compris depuis que le corona a tout fermé? Quel enseignement t'as reçu? Comment? Tout n'est que vanité. Amen. Qui encore reçu? Quel enseignement? On le cherche plus intimement. Oui, c'est vrai. Amen. Et aussi à s'attacher plus à lui, et écouter sa voix. Alléluia. Cette parole est dure. Beaucoup de ceux qui sont religieux, qui vont dans les églises, ils prêchent la Bible. Hein. Mais tout ça là, ça devient comme dur pour... Ah, c'est dur. Non, c'est trop dur. Beaucoup refusent la vérité. Hein. Vous voyez, comme il y a quelques années en arrière, avec ma copine, qui est ma femme aujourd'hui, on allait se prier chez un... Voilà, dans le foot, chez un joueur professionnel. Il m'a jamais dit que j'étais dans le péché. Il m'a jamais dit ça. Il m'a jamais dit qu'il était dans la fornication. Si je mourrais comme ça, j'allais en enfer. Il m'a jamais dit ça. Quand je me suis converti, je l'ai contacté. Je lui ai parlé clair. Hein. Alors, je lui ai dit la vérité. Hein. Et il m'a fui. Il prêche les enseignements pour ça, tout ça. Les amis, c'est n'importe quoi. Vous voyez? Voilà pourquoi beaucoup d'églises, la religion, tout ça, on ne vous dira pas la vérité. Comme ce frère qui me disait. Quand je l'ai vu dans le train, on discutait, il a envoyé un mail à enseignement.com, c'est ça? Il a demandé à enseignement.com, est-ce que les rapports c'est un péché ou pas? C'est ça? Le concubinage, est-ce que c'est un péché ou pas? Ils lui ont dit, bon, tant qu'il n'y a plus de rapport, ça va quoi, en gros, il n'y a pas d'urgence. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Quand quelqu'un est dans le concubinage, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que c'est? Qui connaît la réponse? Qu'est-ce qu'il faut dire à la personne? Je te pose la question. Vous faites quoi? Ça vient en règle, oui. Et puis encore. Séparation, mes amis. Ah ben oui. Bon, fou. Est-ce qu'ils peuvent habiter dans la même maison comme ça,
On va dans le canapé. D'ailleurs, par rapport à ça, je voulais dire que pour moi, les copines, les copains, c'est rien du tout. Moi, c'est là quand il m'a touché, j'étais dans le sud de la France. J'étais en concubinage, justement. Et au fur et à mesure de me révéler le péché, j'ai laissé la copine parce que je voulais suivre le Seigneur. Et tout s'est cassé. C'est cassé, mais j'ai pensé à Abraham qui a tout quitté et à ce que le Seigneur lui a donné après. Et je suis parti pour suivre le Seigneur. Et aujourd'hui, il m'a donné une fiancée et on va se marier bientôt. Amen. 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 Alléluia. Ça, j'ai vu. Donc, en fait, quelqu'un qui a un concubinage. Il vous dit, est-ce que concubinage, tout ça, voilà la même question qu'il a posée. Qu'est-ce que vous dites à la personne? Se séparer de corps et quoi? Se séparer quoi? Hein? De corps et. Non. Est-ce qu'ils peuvent rester dans la même maison ensemble? Non. Ensemble, dans le canapé, bon, c'est pas grave. Mon ami, il faut quitter la maison. Parce que le soir, la chair va se lever comme ça. Il va. C'est compliqué! Ben oui! La Bible dit quoi? Fuyez quoi? La pudicité. Je vous dis, c'est le seul péché, je crois, qu'on a dû fuir comme ça. C'est ça, je crois. Hein? C'est ça, mon frère. Hein? C'est le seul péché qu'on a dû fuir. C'est dangereux. On parle anglais aussi. Je vous dis! Ah oui! Parce que la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. De qui? Du Seigneur Yeshua. Mon ami, fais ce que tu veux. Mais tu joues à un jeu dangereux. Parce que le diable, bah, il va forcément t'attaquer. Je vous dis, c'est obligé. Fuyez la pudicité. Oui. L'idolâtrie aussi, on dit fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie aussi. Ah, fuyez, voilà, fuyez. Parce que l'idolâtrie, ça prend la place du Seigneur dans le cœur. Ah, c'est chaud, hein? Fuyez la pudicité et fuyez l'idolâtrie. C'est terrible, ça, mes amis. C'est, l'adultère, c'est un péché, hein? Et ça commence comment? Par la convoitise. Ah, ben oui. Celui qui regarde une femme. On peut dire homme aussi. Celui qui regarde une femme pour la combattre a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Il y a des collègues à mon travail, c'est des musulmans. Oh, t'as plus, on était venus, c'est pas consommé. Hein. J'ai dit, c'est le péché, mes amis, ça. Et il n'y a que Jésus qui peut vous délivrer. Voilà votre Dieu, ce que vous priez, votre Dieu. Voilà ce qu'il fait. Voilà que notre vie, là, quand on est en du Seigneur, ça condamne leur péché. Je vous dis ça. Ça révèle l'état des cœurs, la lumière que nous sommes. Je vous dis. Et vos dieux, non, t'es dans une secte, t'es chelou, t'es. Non, non, non. C'est parce que notre Dieu, notre Elohim, il est saint. Ah oui, il est saint. C'est terrible, hein? Des fois, je parle même pas. Si je pose une question, des fois, ils font le malheur de poser une question. C'est mort. Je peux pas le. Je vais te parler. Je vous dis, un jour je suis arrivé en retard au travail. Mon collègue me dit, mais, le chef n'est pas arrivé, mais c'est heure. Il va pas voir. Je suis chrétien. Donc t'es sérieux, tu mens pas en fait. Mais je suis chrétien. Je vous dis, je veux la caisse d'inventaire, ils vont pas dire, hein. Ils magouillent les choses. Moi j'avais un temps, je voulais aller me dénoncer. Hein. C'est compliqué. J'ai oublié de me dénoncer. Tu vois, il y en a des fois ils passent en cachette. Ils courent là-haut, c'est caché pour. On ne voit pas qu'ils sont rentrés. Moi je vois, quand je vois des fois je suis en retard, je dis oh là là, mon chef, je suis en retard. Et des fois ils me disent bon c'est pour quelle raison? Bon, en fait, c'est ma faute, le réveil, il a sonné, mais bon, en fait, je ne me suis pas réveillé, quoi. C'est pas là la vérité. Tu vois? Là, tu peux m'appuyer les choses, si tu veux. Là, quelqu'un te voit.
Tu vois. Et un jour, je t'arrive en retard parce qu'il y avait un bouchon sur la route. C'est parti, non. Bouchon. Je parle avec mon texte avec ma deuxième chef. Je parle avec elle. Je dis là, franchement, là, c'est pas de ma faute. Parce qu'ils savent qu'ils me connaissent, ils me connaissent comme encore. Ils se connaissent, parce qu'ils savent que je suis chrétien. Ils ont vu les vidéos, tout ça, ils ont tout vu. Ils savent, je vous dis. Ils voient tout, mes amis. Je dis là, franchement, chef, c'est la vérité. Là, c'est pas ma faute. Il y a eu un bouchon sur la route et je suis parti très tôt. C'est pas ma faute là. Et il dit, je voudrais savoir là, c'était compliqué. J'arrive là-bas, chef, il s'est passé quoi? Chef, là, franchement, quand c'est le réveil, c'est le réveil, mais là, c'est pas ma faute, en fait. Là, c'est vraiment la dit, ok, il n'y a pas de souci, La vérité, ça nous sauve, hein. Je vous dis, Yeshua nous sauve quand on dit la vérité. Je vous dis la vérité. Mais dans le monde, là, il faut mentir pour se sauver. C'est ça. Les gens mentent pour se sauver. Qui ment des fois ici? Levez la main. N'aie pas peur. Qui ment? Ok, qui veut se rapporter des mensonges? Levez-vous ceux qui veulent se rapporter des mensonges. C'est important, c'est ça sur le Seigneur, c'est plus mentir. Je vous dis la vérité. Et encore. On n'est personne pour condamner. Au contraire, c'est une joie pour nous de voir que vous reconnaissez cela. Le Seigneur, il aime quand on confesse nos péchés parce qu'il est prêt à pardonner. Je vous dis la vérité, il est prêt à nous pardonner. Alléluia. Seigneur, merci pour nos soeurs, papa, qui ne veulent plus mentir, papa. Seigneur, je te prie, papa, nous prions, Seigneur, que Seigneur, cette vérité, papa, que tu es, papa, puisse toucher leur cœur, Seigneur. Père, au nom d'Yeshua, papa, qu'ils puissent haïr le mensonge, Seigneur. Car le père du mensonge, c'est le diable, Seigneur, mon roi. Père, elles ne veulent plus, papa, de ce mensonge, papa, mentir, Seigneur, au nom puissant de Yeshua de Nazareth, papa. Père, nous te prions, papa, de restaurer nos sœurs, de les guérir du péché, papa, de les guérir du mensonge, Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Soyez délivrés, soyez restaurés, délivrés du mensonge, au nom de Yeshua. Il ne faut plus mentir. Voilà. Et le Seigneur vous accompagne. De la vérité. Il va vous précéder dans ce que vous ferez, dans votre vie, votre marche, il sera avec vous. Mais le Seigneur ne se mélange pas avec le mensonge. Voyez. Alléluia. Qui a encore une confession? Un péché. Masturbation. Qui veut confesser? Pornographie. Qui veut confesser? Levez la main. Personne? Pornographie, masturbation, vous confessez quoi? La peur de la violence. Un blanc de Yeshua. Qui veut confesser encore un péché? Un péché qui caresse dans les coulisses, tout ça. Et qui n'en veut plus, tout ça. Ouais. Viens devant, viens. Fornication, venez devant si tu veux. Un petit copain. Mais j'ai arrêté. 6 mois. Stoppé parce que je sentais que j'avais envie de me rapprocher de Dieu. Il me parlait, donc je sentais que mon cœur allait s'arrêter. Donc j'ai dit non. C'est le chemin que Dieu a tracé pour moi, donc il faut que j'y aille. Donc j'ai tout arrêté. Juste pour suivre Yeshua. Et puis je vois des gens qui changent ma vie. Quitte la démon, faut le sortir. Il faut le servir de sa vie. Sors de sa vie. Sors maintenant. Seigneur, je prie, papa, pour sa délivrance. Ce démon sort maintenant. Quitte la, c'est fini. Lagui. Allez, sortis. Sortis, on te dépêche. Lagui.
Lâche-la. Tu sors maintenant. Lâche ta vie. Lâche ta vie. Sa vie est pour le maître. Elle va suivre le maître maintenant. C'est fini. Lâche-la. 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 Lâche-la maintenant. Elle sort. Sors, démon, le sexe, qui se met des os, le péché. Sors maintenant. Quitte-la. Quitte-la. Elle est venue pour être délivrée. Et pour son baptême, après son baptême. Quitte-la. On a mis choix. Libère sa vie. C'est terminé, il n'y a pas un bail. On est échoué. Voilà, sortez, 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 sortez les démons. Sortez, 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 sortez. Voilà, sort, 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 sort. Sort, prions, prions, sort, sort. Sort maintenant, sort, sort, sort. Elle est délivrée, délivrée, nettoyée. On a échoué. Oh, mon roi. Elle a dit sa vie, sa délivrance, papa, sa restauration, le nettoyage. Au nom de Yeshua. Père, elle est délivrée. Père, d'avoir la haine de la fornication, papa. Elle va se marier, papa. On le déclare sur sa vie. Au nom de Yeshua, papa. Oh, Seigneur, merci pour sa vie. Alléluia. Sors encore, sors, 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 sors. Sortez, sortez, sortez. Viens, ma soeur, viens, ma soeur. Viens. Alléluia. Terrible, ça, mes amis. Comme maladie. Attends, c'est quoi ton conseil? D'accord, ça va aller, ma soeur. Qui peut l'aider aussi? Ça va aller, ma soeur? Bien sûr, tu fais du bien là. Waouh! Qu'est-ce qui va dans ton cœur? Ça fait du bien, hein? Amen, amen. Tu veux suivre Jésus-Christ? Yeshua. Allez, tu veux prendre ton baptême aussi? Par immersion. Oh là, Yeshua, on prie pour toi. Seigneur, nous prions pour sa guérison. Lâche son ventre. Seigneur, nous chassons la mort, la maladie, le cancer. Maintenant, lâche-la. Sors maintenant. Père, cette maladie, papa, mystique, papa, quitte sa vie. Seigneur, ma soeur est guérie. Sors, dépêche-toi. Sorti, démon. Sors maintenant, sors. Lâche-la. Lâche-la. Lâche son ventre, là. Sors son ventre. Lâche son ventre. Lâche son ventre. Dépêche-toi. Lâche son ventre. Le premier intestin, là, nous chassons ça dans les choix. Nous chassons ce mal, cette maladie bizarre. Seigneur, son corps appartient à son corps et ton temple. Seigneur, on donne des choix, des délivrés. Allez, quitte. Allez, partez maintenant. Part maintenant. Allez, part. Part maintenant de sa vie. Tous les démons là, vous sortez. Tous les démons là, tous ces esprits, papa, de Marie, tout ça, ça sort, c'est des choix. Père de gloire, le catholisme, papa, tout ça est brisé dans sa vie, on donne des choix. Part, allez, go, 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 allez, part. Quitte son ventre. Voilà la guérison. Père de gloire, merci pour son ventre, papa, que tu guéris. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. La guérison, la restauration d'intestin. Au nom de Yeshua, papa, le miracle. La puissance de Yeshua. La puissance du maître. Au nom de Yeshua, papa, merci pour sa vie. Je te baptême. Amen. Alléluia. 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 On vit la fin. Viens, ma soeur, viens, ma soeur. Qui nous donne sa vie au Seigneur? Qui n'a pas encore fait? Qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur? Yeshua. Tu es catholique? T'as déjà donné ta vie au Seigneur? Père, merci pour sa vie, merci pour ce cœur, papa, que tu restaures. Alléluia. Tu restaures ce cœur, papa. Merci en restant ton cœur. Père, merci pour son cœur que tu restaures, papa. Pour ses souffrances, papa, que tu retiens, Seigneur, où je suis. Père, donne cette paix, papa, cette paix que tu donnes, Seigneur, cette paix que les hommes ne donnent pas. Toi seul, donne cette paix, papa, au nom de Yeshua, papa, au maître, mon maître, Jésus, tu vivant. Seigneur, merci pour ma soeur, que tu me délivres. Sois délivré. Sois délivré maintenant. Délivré maintenant. Elle veut sortir de sa vie. Seigneur, nous prions pour sa délivrance totale. Père, elle a arrêté la fornication, papa, elle a dit. Elle a confessé, Père, voilà, je veux nous prions pour sa délivrance, papa. Seigneur, nous te prions pour de l'habiller, pour la remplir de ton Esprit Saint, papa. Seigneur, en nom de Yeshua, sois rempli de l'Esprit du Seigneur. Sois délivré, ma soeur, maintenant, sois délivré. C'est ta délivrance, c'est ta délivrance, c'est ta restauration. Alléluia. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur touche ton cœur. Touche ton cœur. Ma
Au nom de Yeshua, Père, nous croyons que la prière, Papa, au Père de gloire, agit avec efficacité, Seigneur. Ô Père, car c'est toi le roi des rois. Seigneur, nous prions, Papa, pour sa vie, qu'elle soit délivrée, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit arrachée de la magie et qu'on a sauvée. Au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Merci pour sa vie, Papa. Alléluia. Amen. Délivre ma soeur, sois guérie. Amen. Alléluia. Seigneur, au nom de Yeshua, merci pour sa vie, papa, que sois délivré, que ce mal la quitte maintenant, papa, que le sang, papa, que ce sang soit guéri. Père, au nom de Yeshua, lâche ta vie, lâche ta vie, lâche-la, lâche-la. Lâche-la maintenant, lâche-la. Maintenant, sors de son corps. Sors de son corps, sors de son corps, sors de son corps. Maintenant, maintenant, maintenant.
Sors de son corps maintenant. Sors de son corps maintenant. Au nom de Yeshua de Nazareth. Sors de son corps. Allez, sors. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors, 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 sors. Sors de son corps maintenant. Maintenant. Ce mal est brisé au nom de Yeshua. Ce mal est brisé maintenant au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Quitte son corps. Quitte son corps maintenant. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps maintenant. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Alléluia. Amen. Le soleil, la lune, les étoiles, tu as créé notre cœur, mon cœur, le papa, tout est possible. Au nom de Yeshua, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Alléluia. Oh. Tout est possible. Alléluia. 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 Le miracle. Alléluia. Oh. Yeshua. Le miracle. Alléluia. Alléluia. Alléluia! Alléluia! Mes amis, c'est terrible ça! Alléluia! Mes amis, c'est terrible ça! Ils peuvent couper ou pas, ça va repousser! Amen! Je crois qu'il peut le faire! Amen! Il a créé des jambes, il peut faire ça aussi! Amen! Alléluia! Mes amis, on vit la fin! On vit la fin, le Seigneur il peut tout faire. Il veut que les gens croient en lui, donc il va tout faire. Dans ma tête. La nation. La nation. Merci pour la force, la restauration,
ta restauration. C'est sa restauration. Oh, 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 sa restauration. Alléluia. Te restaure les célébrations. La Guadeloupe, Martinique. Ça va aller, ma soeur. Il priait à la base quand il est marié. Il priait. Il a lâché. Il a lâché. Ça ne l'intéresse plus, Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur est fidèle. Donc, on n'est pas une église. Enfin, on est l'église du Seigneur. On se réunit quand le Seigneur permet des programmes comme ça. Mais le plus important, c'est de vivre le Seigneur quotidiennement dans sa vie de tous les jours. Donc, quand il permet des programmes pour se voir, faites-le au Seigneur. Mais sinon, suivez le Seigneur, marchez avec lui, mettez sa parole en pratique. Parce qu'il vous voit tous les jours, il nous voit tous les jours. Vous voyez? C'est important. Il faut aller au ciel, c'est plus important. On va prendre le baptême, on va baptiser tout après là. Le débat. Changement de vie là, c'est réglé tout là, c'est nouveau. Hein? Hein? Le baptême aussi? Hein? Non, elle. Elle veut parler? Ah bah. Qu'est-ce que vous voulez dire, Vizalma? Sors maintenant. Tous les démons qui sont rentrés, vous sortez maintenant. Sors maintenant. Libère sa vie. Allez, pas. Allez, tous les démons.
Partez. Allez, go, 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 go. Vous sentez. Maintenant. Au nom de Yeshua. Merci pour ce papa de Yeshua. Merci pour sa vie. Merci pour sa vie. Thank you.
Waouh, calme, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a plus de soeurs que d'autres. Mais la Bible dit qu'elle n'est pas venue. Wow. Non, Seigneur, tout comme. Merci, Véron. Et malgré ça, ben, comme tu dis la parole, il y a 10 lettres dans la Bible. Les 10 sont déguéris. Les 9 sont repartis dans le monde, dans leur jours. Et un seul est resté pour donner gloire au Seigneur. Donc en fait, les guérisons, tout ça, là, c'est même pas forcément ça qui va nous sauver. Ah oui, mais ça ne peut pas des miracles, quelque chose comme ça. En vérité, en fait, l'Égypte, les Israélites, ils ont vu des miracles, la mer rouge, la caille tombe du ciel, vient comme le ciel, vient d'où. Mais ils ont voulu quand même mieux même contre le Seigneur. Donc en fait, c'est la rencontre, je vous dis, c'est vraiment la rencontre personnelle avec le Seigneur. Ce qui vous fait tenir ferme, c'est rencontrer le Seigneur, c'est ça le plus important en fait. C'est pas une miracle, tout ça. C'est même pas c'est la rencontre. Hein. Ah oui. Vous avez la vérité. Ah oui. Et il faut retenir une chose aujourd'hui. La plus importante, c'est garder ses commandements. C'est tout ce qu'il nous a donné, Seigneur. C'est pas d'aller dans les programmes, aller regarder des vidéos, prédicateurs, aller patati, prier. C'est pas ça. C'est garder ses commandements. Celui qui m'aime garde les commandements. Vous voyez? Moi, c'est ce que j'ai compris depuis que je me suis converti. C'est garder le commandement. Vous voyez? C'est important, c'est dans les points de notre salut, de notre sanité. Courage, ma soeur, courage. D'accord? Courage, on va parler. D'accord? On va aller, soeur fidèle. Voilà. T'as quelques questions? D'autres questions? Qui est choqué de nous crier de l'heure? Qui ça choque un peu là? Ah ouais, c'est pas choqué. Ça va? C'est pas choqué, ça va? C'est pas choqué. Ça, c'est le travail que le Seigneur nous demande de faire. D'aller crier, d'aller annoncer la parole. Et de ce qu'il demande. On rentre chez nous. Alléluia. Nous sommes vos frères. On n'est pas plus grands que vous. Nous sommes tout simplement des hommes. Et on va quitter les choses du monde, on suit la Bible, et on est disciple de Jésus-Christ, chrétien entre guillemets. Voilà. Tu vois, les gens demandent on est quoi. Quand tu dis chrétien, moi t'es catholique. Ou chrétien, évangélique. Ou mormon. Donc des fois, je dis souvent, je suis disciple. Ben, ça étonne, mais pourquoi c'est la parole, c'est écrit. Faites la sorte de disciple. Oui. Aïe, 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 pourquoi Dieu est si fort? Parce qu'il est si fort. Parce que c'est notre papa, le tout puissant. Il est... Oh là là, c'est fort ce qu'elle a dit là. Pourquoi Dieu est si fort? Il est fort, hein? Ça met la crainte ce qu'elle a dit là. Pourquoi il est si fort? Ça, c'est lui qui fait tout ça là, c'est pas... C'est lui, hein? Quand on croit qu'il est fort, eh ben, tu vas le voir fort dans ta vie. Ah oui, il est fort, il est plus grand que tous les démons. Il a créé la terre, le ciel. Oh, quelle puissance ça, Johanna. Amen. Il a mis le soleil là-haut, tout ça. Et nous, on est là, on dit non, ça vient du hasard. C'est bizarre, tout ça. Non, il est bon, on a vu. Ah oui. Donc, en fait, si tu passes par des moments difficiles, prie le Dieu si fort là, le Elohim si fort, il a dit là. Vos problèmes, nos problèmes, déposons nos problèmes devant le trône du Seigneur. Vous voyez? Est-ce que vous pouvez? Dans ta chambre, prie, je vous dis. Je te dis la vérité, mon frère, ma soeur. Il faut que tu pries. Ta vie est en règle avec le Seigneur. Prie. C'est écrit que le Seigneur n'exauce pas les pécheurs, mais il écoute la prière de ses enfants, des justes. C'est écrit, hein? Donc quand tu vas prier là pour ce sujet-là, même si ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, prie! Quand je me suis converti, toute ma famille m'a abandonné, tous!
Là maintenant, le Seigneur va nous ramener tout le monde, ma mère, tout ça, mes frères. Ça commence à changer de mentalité. J'ai dit, waouh! Parce qu'on voyait en fait que c'est pas n'importe quoi. Et c'est pour ça en fait que nous les chrétiens, je ne sais pas, tu l'entends encore, on ne doit pas être sectaire, vivre d'une manière bizarre, oui. Le Seigneur lui-même, il mangeait des publicains. C'est pour dire en fait que le Seigneur nous demande aussi d'aller vers les autres. Est-ce que vous comprenez? Parce que souvent, en tant que chrétien, l'erreur qu'on peut faire, on l'a tous fait, c'est de rester que entre nous. Pas en faux. On reste que entre nous, hein, on n'en a pas sur le péché. Non. Et si on fait ça, en fait, on sera traité de secte, de sectaire. Qu'est-ce qu'on comprend? Hier, avec ma femme, j'ai regardé une émission sur la franquette exclusive, les Ménonites. Vous avez vu ça ou pas, les émissions? Vous l'avez vu? Les Ménonites. Des hommes qui sont partis. Tu l'as vu ça, Didier? Ils sont partis vivre dans l'Amazonie. Ils n'avaient plus de téléphone, ils n'avaient plus rien. Et c'est terrible, ça. Ils se cachaient pour regarder les chansons sur le téléphone. Dès que l'autre arrivait caché, sinon il va être banni, sinon de la société, du groupe. J'étais choqué. Et après, il y en a plein qui ont quitté, ils ont dit, on veut faire ce que la Bible dit. Tu vois, ce que la Bible dit, on veut faire. Parce qu'ils étaient partis trop loin dans des choses bizarres et ça a formé une secte, en fait, mes amis. C'est terrible, ça. C'est pour ça, nous, en tant qu'enfants du Seigneur, on doit aller vers les autres quand même, vous voyez. Sinon, on va être traités de bizarre. On est dans le monde. Et ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est de ne pas pratiquer les uns du monde. De ne pas parler comme le monde, penser comme le monde. Mais tu peux aller au travail, tu peux avoir un métier avec des païens qui sont convertis. Est-ce que vous comprenez? Parce que eux, là, les Ménonites, ils n'allaient pas vers les autres. Hein. Ils étaient qu'entre eux là-bas, là. C'est compliqué. Et c'est pas ça l'évangile, en vérité. C'est pour ça que nous, en fait, on doit être équilibré. On ne doit pas outrepasser, aller plus loin que la parole. Et après, c'est compliqué. On va dire, mais c'est eux les pécheurs. Mais non, nous on fait des fois des trucs bizarres et ils ne comprennent pas trop. Soyons comme le Seigneur. Alléluia. Comme moi, quand je me suis converti, j'allais pas dans, chez ma famille, quand c'était Noël, j'y allais pas. Jusqu'à maintenant, ils ne me disent pas. Si moi je vais y aller pour leur parler, parce que c'est ma famille, je les aime, vous comprenez? Mais de eux-mêmes, ils ne vont pas m'appeler. S'ils connaissent déjà comment ça s'est passé avant. Donc si je veux les voir, je vais quand même y aller pour les voir. Parce que c'est ma famille quand même, vous voyez. On a besoin de aussi de voir nos papas, nos cousins, tout ça. Afin de faire un témoignage pour eux. Les appeler de temps en temps. Qui appelle des fois ses cousins, ses cousines? Je fais ça. Tous les appeler, un coup de fil, tout ça, discuter avec eux. Pas forcément de la Bible pour ne pas les. Pour leur prendre la tête. Soit simplement discutant comme un cousin, cousine, vous voyez. Vous comprenez? Et c'est ce que le Seigneur veut nous apprendre à faire de plus en plus. Bah, leur montrer cet amour-là, vous voyez. Et les le Seigneur, faire les choses. Tu vois? Tu peux aller voir ta femme, ta famille, ta maman, ton papa, tout ça, tes frères, tout ça. Mais pas forcément aller. Oh, la Bible dit! Fais les fatiguer. Comme ma soeur, une fois, je dis, viens chez moi, t'inquiète pas, je vais pas parler de la Bible, t'inquiète pas. On fait un barbecue, viens, je vais parler pas de la Bible, viens. Vous pouvez les rassurer, sinon ils vont croire que c'est pour la Bible. Donc soyons équilibrés, hein? Laissons le Seigneur permettre des temps où on puisse leur parler. Vous voyez? Soyons juste avec ta mère, soit de fille, avec ton papa, soit un fils, simplement. Vous voyez? Allez, va les visiter, boire un jus d'orange, je sais pas, moi, avec eux. Tout ça, manger un colombo, je sais pas. Tu vois, c'est le Seigneur permettra que ce qui soit touché. Vous comprenez? Vous comprenez? Ce qui a fait que ma mère, depuis plusieurs années, c'est un peu compliqué. J'ai pris un charisme, tout ça, c'est un peu compliqué. C'est un charisme. C'est compliqué, tout ça. Et quand je me suis converti, j'ai vu tout ça, j'ai dit, oh lolo. Donc, vous connaissez, quand on se convertit, on casse tout. C'est terrible, la parole du Seigneur, c'est. En fait, si tu n'as pas l'esprit du Seigneur, là, tu comprends. Si tu ne comprends pas la Bible, c'est compliqué. C'est terrible, les amis. C'est terrible. C'est pour ça, en fait, qu'avec les païens, les convertis, parfois le Seigneur permet souvent de comprendre des choses terre à terre. Pour expliquer les choses, même si elle est venu, là, il a parlé des choses terre à terre aussi. Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Même Nicodème, il n'a pas compris que c'était quoi d'être né d'en haut. Et le Seigneur lui dit, mais toi, t'es le docteur d'Israël, tu connais pas ça? Et on peut, il y a des choses qu'on peut expliquer. Oui, entre nous. Oui. C'est ça. Alléluia. Et encouragé. Qui est fortifié ce soir aujourd'hui là?
gardons cette foi, cette force que le Seigneur nous donne. Ça va aller. Et nous prions pour vous, ça va aller au nom de Yeshua. Nous sommes des portes pour que tu m'as dit, tout ça s'ouvre dans Yeshua, tout ça réglé. On prie pour ça dans Yeshua. Père, merci Seigneur de lui donner, papa, Père, c'est ce que son cœur me dit. Père, ce travail dans Yeshua, papa, que ces portes s'ouvrent. Père, tu le rémunérateur, Seigneur. Je crois, papa, que tout est possible à toi, Seigneur, au nom de Yeshua. Alléluia. Qui veut ouvrir notre prière ici? Qui veut ouvrir notre prière ici? C'est qui? Moi? Qui encore? Ok. Mangez là, il y a qui? Personne? Qui veut ouvrir? Quoi? D'accord. C'est qui? Qui veut ouvrir notre prière ici? Vous êtes mangé? Père, nous prions, papa, que nos soeurs, papa, puissent réussir, papa, dans ces choses, papa, dans les choix. Merci pour le mandat, papa, ce saut, ce cachet que tu mets, papa, au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Oh, maintenant, il faut aller. Il faut faire les choses et ça va marcher. On est en train du Seigneur, ça va marcher. Alléluia. Non, Seigneur, quand même, hein. C'est magnifique, ça. On va finir par là.